A lot is going on right now in Europe, especially in Ukraine. All sides are blaming each other, and sometimes it can become quite difficult to see through all this smokescreen. This year was actually planned as a kind of follow-up on my video on this hilarious State Department briefing with Ned Price. Check it out and come back here later. But then the events just kept pouring in and I had to rewrite my scripts over and over again. And now, today, I came across a video, an interview of Anne-Laure Bonnell, who followed a Ukrainian family in Donbass. Stay tuned. It'll be fun, I promise. Hi, my name is Heiko, this is OK by 2, the slightly other channel. Anne-Laure Bonnell, a director and the mother of a French family, decided to follow Alexander, a father of a Ukrainian family, back in 2016 to go to Donbass in eastern Ukraine. At the heart of the war, she captured terrible images of a deadly conflict and an unprecedented humanitarian disaster, which has been neglected by Western media for 8 years. Unfortunately, the interview is only available in French right now on YouTube, so that's why we decided to present it here with subtitles in English, German and hopefully Chinese. Let's run the clip. Bonjour Pascal Pro. Vous m'entendez correctement? Vous êtes sur le terrain, dans le Donbass. Je voudrais que vous nous donniez les dernières informations de ce qui se passe sur le terrain. Alors oui, je vais vous les donner tout de suite, mais il ne faut pas oublier que depuis 2014, cette guerre a débuté dans le Donbass, ça est le berceau là où je me trouve. Les gens ici sont épuisés, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de décès, beaucoup de massacres. L'aviation a pilonné le Donbass en 2014, l'aviation ukrainienne. Et aujourd'hui, le point est le suivant. Ça continue. Des villages comme Gorlovka, où j'étais hier et avant-hier, sont également visés par des tirs, des grades, etc. Il y a des blessés, il y a des morts que je filme quotidiennement, que je photographie également, pour garder ça en témoignage. Je n'ai aucun message politique, hein, mais sachez simplement que depuis une semaine, on parle de ce conflit, mais il dure depuis 8 ans. Il y a eu 13 000 morts, 13 000 morts. Les gens sont épuisés, ils se sentent tous ukrainiens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très surpris que l'Europe se rende compte de la situation. Alors que pour eux, cette situation de bombardement, c'est de vivre dans des caves, etc., de recevoir l'artillerie lourde fréquemment. Je l'ai documenté en 2015. Pour eux, c'est un quotidien depuis 2014, je le répète. Ensuite... Je vous interromps parce qu'il y a effectivement tout le monde ne comprend pas la situation aussi précisément, évidemment, que vous la vivez depuis de nombreuses années. Vous avez dit, et ça m'a surpris, tous les gens se sentent ukrainiens. Et vous avez rappelé que les bombardements étaient ukrainiens il y a Absolument. Quelques jours. Absolument. Mais quelque chose de grave que visiblement a échappé. La population du Donbass en 2014 a été ciblée par son propre gouvernement. La population russophone a été bombardée par le gouvernement de Kiev. Oui, voilà, j'ai toutes les preuves, donc je pourrais vous les fournir en rentrant en France. J'ai les images, j'ai un film là-dessus, c'est incontestable. Mais aujourd'hui, les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Je ne défends pas Poutine.
Hein, c'est simplement, moi je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position, simplement. Ce que vous dites est factuel. Il faut quand même. Ce que vous dites est factuel. Tout à fait. Et ces populations aujourd'hui. Le gouvernement ukrainien a bombardé sa population. Les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015. Est une preuve de toutes ces crimes de l'humanité. J'assume. Je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. Deux institutrices ont été coupées en deux. Le corps coupé en deux. J'ai mis des photos sur mon mur Facebook des babouchkas, parce que les gens qui n'ont pas, les plus âgés, les retraités n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés, soit par l'artillerie lourde, soit par des grades. Enfin bon, je suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass, côté russophone, encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est, c'est évidemment le pouvoir central ukrainien, selon vous, qui déclenche ces bombardements. Alors, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez rester avec nous? Parce qu'on va recevoir Bernard-Henri Lévy dans quelques secondes, actuellement dans le Donbass. Et je voulais que vous interveniez simplement sur une nouvelle fois dans cette discussion, parce que vous nous donniez des informations qui vont sans doute surprendre ceux qui nous écoutent, puisque le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes. Alors, depuis des années. C'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. Des chiffres, le 26 mai, le gouvernement de Kiev a bombardé sa population. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous la voyez, cette photo, c'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter cette guerre. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux. Je vous propose de peut-être... Ça, c'est les forces ukrainiennes. Bon, je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris, ça date d'hier. Hein. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez avant, cette famille, là. Avant vous, vous n'avez pas été là où je suis. Parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent, là. Moi, je suis allé de Mariupol à Louhansk. Ne me coupez pas. Regardez. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Non, mais j'entends ce que vous dites, Anne-Laure Bonnel. Moi, ce qui m'intéresse... Je comprends, là, mais voilà ce qui se passe dans le Donbass. Vous voulez voir ce qui se passe dans le Donbass? Voilà ce qui se passe dans le Donbass. Je suis pour que cela s'arrête. Chacun a compris. Je suis pour que cela s'arrête sans délai. Bon, ce qui m'intéresse, chacun a compris votre message. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de montrer la réalité de la guerre, mais la guerre, ce n'est pas une statistique. Anne-Laure Bonnel, c'est des morts. Vous avez raison. Je comprends votre émotion et vraiment. Mais simplement, moi, je veux comprendre pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass. In times when seemingly 90% of Western population is drowning in cognitive dissonance and willingful supporting anti-Russian sentiment and hate crimes against Russians living here amongst us, it is more than important to show and tell the truth. Considering the recent ban on Russia's news channels RT and Sputnik in entire Europe, let me wrap up today's episode with a quote by George R. Martin. When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar. You are just telling the world that you fear what he might say. Well, if you haven't subscribed yet, please hit that button down there. Otherwise, stay curious. See you soon. Bye.